Le 25 octobre 2010, nous sommes partis de notre ville natale avec comme objectif de faire le tour de la Terre à vélo. Un projet comme ça se passe de motifs, mais pas d'organisation. Après 9 mois de préparation, on est parti avec une seule envie, aller à la rencontre du monde. Petite pause au 6e jour. Nous sommes dans le vignoble de Bourgogne, en Côte d'Or. La France, c'est assez facile. Nous rodons l'équipement, le corps et l'esprit. Il faut avancer rapidement, sortir du pays. L'excitation est là. Nous sommes à Mâcon, à côté de la Saône. David, créateur de vêtements, nous confectionne des t-shirts qui nous suivront tout au long du voyage. En direct des berges de la Saône, direction Avignon. Première courbature, premier campement, première crevaison et première rencontre déjà derrière nous. Juste de dépasser Narbonne, on est en direction de Perpignan, on est sur la route, tout va bien, il fait beau. Nous voici donc à Perpignan, sur la place de la République. Nous sommes accueillis par une colloque de coach surfeurs sportifs et écolos. Accompagnés par Étienne, nous partons vers le sud. L'objectif est de franchir notre première frontière. Alors nous sommes ici, exactement. Nous allons passer la frontière espagnole ici, aujourd'hui. Donc voilà, et ce matin nous avons fait à peu près tout ce trajet ici. Un jour après notre départ, le temps se réchauffe enfin. Nous abandonnons nos manteaux et longeons la côte jusque Barcelone. Voilà comment nous nous organisons. Les vélos sont attachés à la tente et à un arbre.